Hello tout le monde, on se retrouve sur Animal Crossing New Horizon pour vous montrer comment réaliser le Yetiti parfait et ainsi récupérer des grands flocons de neige. Par contre, selon les hémisphères, les saisons n'apparaissent pas au même moment. Pour l'hémisphère nord, l'hiver sera présent du 11 décembre au 24 février, tandis que pour le sud, l'hiver se déroule du 11 juin au 24 août. Alors pour attraper des flocons de neige, il faut tout simplement se munir d'un filet et les attraper lorsqu'ils flottent dans les airs. Mais pour obtenir les gros flocons, c'est toute une autre histoire. Tout d'abord, il faut partir à la recherche de deux boules de neige sur notre île. Généralement, elles ne sont pas très loin l'une de l'autre. Il faudra commencer par donner des petits coups de pied, puis on va devoir les pousser pour les faire grossir. Lorsqu'elles seront suffisamment grosses, on pourra les rassembler pour créer un bonhomme de neige. Si vous avez réussi à créer un Yetiti parfait, il nous remettra un plan de construction spécial hiver, ainsi qu'un grand flocon de neige. Alors après, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est que si jamais votre boule est trop grosse, on pourra la rouler dans le sable, dans la terre, ou alors sur n'importe quel autre motif du remodding pour pouvoir enlever le surplus de neige. C'est seulement de cette façon que la boule va rétrécir. Faites aussi attention aux obstacles sur votre route, car en fait, si la boule le percute, elle se brisera. Mais pas de panique, vous avez juste à rentrer et sortir d'une maison pour qu'elle réapparaisse quelque part sur votre île. Et troisième et dernier conseil, mais généralement, pour avoir un Yetiti parfait, il faut que la boule du corps soit à peu près à la hauteur du nez de votre personnage. Et pour la deuxième boule, il faut qu'elle soit au niveau du cou. Ensuite, il n'y a plus qu'à assembler la petite boule sur la grosse boule. Et hop, on obtient un Yetiti parfait! Une fois qu'il est créé, on pourra lui parler tous les jours pour récupérer un grand flocon de neige. Il mettra 5 jours avant de fondre complètement. Mais pas de souci, puisque tous les jours, on pourra retrouver de nouvelles boules de neige, et ainsi créer un nouveau Yetiti parfait et obtenir davantage de plants et de flocons de neige. Du coup c'est tout pour cette vidéo, si elle vous a aidé comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner, et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles astuces, bye bye!